بونجور سلام عزول صحة عيدكم كل عام انتم بخير ان شاء الله بخير الجميع. Voilà, ce que je voulais revenir sur un point très important. Vous faites le Hirak, on lui donne plusieurs noms. Le Hirak, on lui donne plusieurs noms. Le Hirak, il a un seul nom. Soit on peut l'appeler un mouvement insurrectionnel pacifique citoyen, Haraka Tamoul Botani Yassilmiya, une révolution pacifique citoyenne. Mais on ne peut pas l'appeler intifada, ça n'a pas de sens. Al-Hirak, ce n'est pas un soulèvement. Al-Intifada ou soulèvement, c'est un nom attribué mondialement aux Palestiniens contre l'occupation israélienne. Donc le Hirak, ça n'a rien à voir. Le Hirak, c'est un mouvement insurrectionnel, pacifique, citoyen. Voilà. Haraka, Tamarrud Watani Yassilmiya. Voilà. Mustaqilla. Autre chose, la phase de contestation est terminée. Maintenant, on est arrivé à la phase de négociation. C'est la phase la plus difficile. C'est la phase la plus compliquée. Waqt sah, il est là. Alors, comment ça va se passer, Inch'Allah? Je pense, ils ont proposé ce qu'on appelle une feuille de route. Une feuille de route. Cette feuille de route, elle doit être établie lors d'une conférence nationale. Une conférence nationale. Il y a Mu'tamar Watani. Mu'tamar Watani ou la Nidwa Wataniya. Attention, la différence entre un grand débat national ou une conférence nationale, ça n'a rien à voir. Wanesh. Une conférence nationale, on la déclare quand les manifestations sont pacifiques. Et c'est le cas en Algérie. C'est pour ça qu'ils ont déclenché ce qu'on appelle une conférence nationale. Imaginons, alhamdoulilah, passage, si les manifestations elles étaient violentes, on n'aurait jamais déclaré une conférence nationale. On aurait déclaré un grand débat national. Nikash, quand il y a la violence. La conférence nationale, quand il y a manifestation pacifique, Sinmiya. Alors, je pense, pour aller vite et pour être crédible, il faut un organe de transition. La conférence nationale, on a 48 wilayas. On peut, sur chaque wilaya peut représenter une personne. Nous ne voulons pas des représentants qui viennent des partis. C'est fini. Ils sont déjà avec le système. Ils sont disqualifiés. Il faut que le Hirak se restructure. Il faut maintenant passer à l'action. Attention, le Hirak, il faut qu'il trouve une structuration. Il y a des gens qui vont le représenter. On a combien? On a 48 wilayas. Chaque wilaya délègue une personne. Ça, il faut savoir que l'armée ne sait pas négocier. Elle ne sait pas négocier. Ce n'est pas dans les prérogatives de l'armée de négocier. Donc nous devons passer par des gens crédibles, patriotes, qui ne seront pas choisis par le gouvernement, par le système. C'est le Hirak qui doit choisir, c'est le peuple qui doit choisir ses représentants. Attention, il ne faut pas choisir d'autres personnes qui sont choisies par le système. Ça n'a rien à voir. Parce que les revendications, elles viennent de qui? C'est qui en position de force? C'est pas le système. C'est le peuple qui est en position de force. Le peuple, il a gagné 3 victoires. La première victoire, le 18 avril. Le 18 avril, pas d'élection. La deuxième victoire, la démission de Bouteflika. Deuxième victoire. Et la troisième victoire, c'est l'annulation de l'élection du 4 juillet. Jusqu'à présent, El Hirak, il a gagné trois étapes. Trois étapes. La quatrième, maintenant, c'est la phase de négociation. Attends. Absolument. C'est une très bonne question. Comment on va négocier? Vous savez. Comment on va négocier? La négociation doit tourner autour de trois axes. Premièrement, quels sont les problèmes des Algériens? Oui, quels sont les problèmes des 42 millions d'Algériens? C'est son avis. Attends. Mes amis, il y a Khona, il y a un chemin. Il n'y a pas de problème, justement. Il y a l'avis contre. Khona, il y a un chemin à l'autre. Il faut savoir tout le monde. Khona, tu vas maintenant.
انا نسكن في الفاتحه مع خونا صاوا اللي خرج مع الغاشي كاع وما بوسي كيف اورغانيزي الحراك يا اوكي كريبي انا نسكن في الفاتحه اسمحوا لي جس هذايا Je parle de la phase de négociation. Comment on va négocier? La négociation, ça va tourner autour de quoi? Le premier axe, nous devons identifier les problèmes de tous les Algériens. Deuxièmement, à quoi aspirent les Algériens? Qu'est-ce qu'ils veulent, les Algériens, pour aboutir à une démocratie aboutie? Et le troisième axe, quelles sont les perspectives qui doivent être assurées au peuple algérien? Il y a trois axes. Identifier les problèmes, mais chaque jazaïri. Il y a beaucoup de problèmes. Le deuxième problème, à quoi nous aspirons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une démocratie participative, solidaire. C'est quoi le choix de société? Et le troisième axe, nous voulons noir sur blanc, quelles sont les perspectives que la partie adverse va nous garantir. Trois actes. Ce que nous voulons, une transition d'unité nationale. Ce que nous voulons, une transition pour le développement économique et social. Justement, c'est quoi le problème économique et social? Vous savez que le gouvernement d'Ouyahia, il a laissé une économie à l'agonie. Il a développé ce qu'on appelle une planche à billets, un financement non conventionnel. Il a créé 6500 milliards de dinars qui sont partis dans les tuyaux. Le peuple, il n'y a plus d'argent, il faut le savoir. Zéra, il n'y a plus d'agriculture. Il n'y a plus d'industrie. L'économie à zéro. Est-ce que vous savez, avec le problème actuel, il y a 300 000 sociétés en dépôt de bilan. 300 000 sociétés en Algérie en dépôt de bilan. Il y a 900 000 emplois qui vont disparaître. Donc, nous voulons négocier avec qui? Ça, c'est la bonne question. Nous voulons négocier avec des gens qui sont crédibles, qui vont nous représenter. Avec des Algériens. Nous ne voulons pas négocier avec le Qatar ni la France. Des Algériens, purement Algériens, patriotes et crédibles.